Salut tout le monde, c'est Homegame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour le premier épisode de le Zelda Oracle of Ages version alternative. Je suis accompagné de... De Christa. Et qui va parler s'il veut dire quelques mots. Là, en ce 13 juillet, on est quasiment à la moitié de l'année de juillet déjà. Je voulais vous prévenir que fin juillet, début août... Ça dépend, je vous dirais même fin juillet. Je vais prendre des vacances d'un mois. On reprendra en septembre comme d'habitude. Mais il y aura une petite particularité parce que même si je serai en vacances, il y aura l'épisode 89 de Breath of the Wild qui sera sorti. Parce que j'ai décidé de reprendre à la rentrée le mode expert. Et j'ai pas envie de reprendre à la rentrée un épisode à l'esprit qui n'est pas terminé. Si tu vois ce que je veux dire. Si j'ai bien été explicite. Non, là, je vois que tu regardes l'écran. Je vois que tu es fasciné par l'écran. Alors, je voulais aussi vous dire deux, trois choses. Là, je suis en post-prod. Il y aura un nouveau Zelda qui va sortir en octobre. Et c'est pas mon préféré. Vous êtes tous au courant. C'est... Comment il s'appelle celui-là déjà ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est Zelda l'héroïne. Et ça reprend le design de Link's Awakening. Si j'ai tout compris. Tu as tout compris, c'est ça. Merde, comment il s'appelle ce jeu Wisdom? Ah putain, Oui, c'est ça, Wisdom. Ouais, mais il y a un autre monde, moi. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, on fera évidemment un let's play avec dessus. Si tu veux m'accompagner, avec grand plaisir. Je vous le dis d'emblée, je suis pas... Pour l'instant, je ne suis pas... Je suis pas plus emballé que ça. Il y aura aussi du Link to the Past, du Minish Cap. Évidemment, Tears of the Kingdom qui va continuer sa lancée. Là, à tel moment que je vous parle, on est à l'épisode de 85. À même pas un an de Let's Play. Je pense qu'on va battre le record de Breath of the Wild. Ce qu'on va reprendre à la rentrée. Et sachant que le mode expert avait duré 32 épisodes. À savoir qu'il y a un épisode toutes les semaines. Et que l'épisode... Le mode expert avait commencé en janvier 2022, c'était terminé en septembre, en septembre, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois. Autant dire que le let's play va presque faire 2 ans, donc c'est un record pulvérisé. Je ne pense pas faire autant que Breath of the Wild, mais... J'en suis fort content, j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, donc c'est quand même énorme. Il en sera un peu de même aussi pour Oracle of Series. Je parle dessus parce que vous avez déjà vu le let's play précédent, vous savez un petit peu de quoi il en est. Je vais volontairement couper certaines parties pour éviter de casser un peu le rythme. Et alors attendez, que je dise pas de bêtises. Je regarde sur mon calendrier. Combien de let's play il me reste, ouais. Là il reste en tout encore, il reste 2 épisodes avant la fin des... Avant les vacances, donc les épisodes 2 et 3 sortiront respectivement le 20 et 27 juillet. Après je prendrai des vacances tout le mois d'août et on se retrouvera, et bien écoutez, on se retrouvera le 5 août pour la reprise des let's play. Et j'espère que ça vous plaira, voilà. Ok, blablabla, je suis vérin de sortir des ondes, blablabla. Donc n'oubliez pas, le 9 août, à 18h ou 20h, ce sera le dernier épisode de la version 2, le mode normal de Breath of the Wild. Qu'est-ce que je dis? Bah non, c'est pas le dernier épisode, je suis con. Bah non. Bah non, parce que j'ai décidé que le mode expert serait intégré... Ah, y'a Didi, parce qu'on regarde ma Super Mario Bros. J'ai décidé que, comment le... Ah, moi, je trouve plus mes mots. J'ai décidé que, en fait, le mode expert et le mode normal seraient dans la même playlist, donc ça changera rien. Donc on se retrouvera pour l'épisode 90 avec le mode expert. Et j'avais pour ambition de faire... On allait taper les 200 épisodes, je pense qu'on est bien parti pour. Si t'as quelque chose à dire, si t'as quelque chose... une question à poser, t'hésites surtout pas. Non, j'avoue, je regarde aussi Mario parce que... Ouais, tiens, et ça tombe bien qu'on parle de Mario. Il y a le nouveau Mario Party, comment il s'appelle déjà celui-là? Ouais, il va sortir il sort quand déjà? En octobre ou en septembre, je sais plus. En octobre, on l'a déjà précommandé, j'ai vu son Nintendo Direct, et je te l'ai montré, il a l'air terrible, il a l'air complètement ouf, je pense qu'on va se marrer.
Il faut savoir, et je sais que tu vas pas que je dis ça, mais il faut savoir que j'ai à côté de moi quelqu'un qui n'est pas du tout mauvaise perdante et qui s'énerve pas du tout quand elle perd. D'ailleurs, on va se faire une partie juste après de. Ouais, mais bon, écoute, hein, j'ai. Mais je gagne quand même avec une étoile. Mais attends, j'ai pris une branlée hier et comment. Il y a à peine deux jours par rapport à toi. Attends, tu m'as battu 10 étoiles à 4 quand même. Tu as eu un coup de chance, arrête, s'il te plaît, arrête. Non, tu m'as battu à plate couture. En plus, tu deviens aussi forte que moi. Parce qu'il faut savoir que madame ici présente s'énerve, n'arrête pas de m'engueuler quand je gagne. Alors que ça, c'est vrai que j'étais un petit. Je suis un petit quand même entraîné, mais elle commence à me rattraper, c'est ça qui me fait peur et qui me fait plaisir. Voilà. J'ai un bon prof. Un bon prof, un bon prof. Ouais, en parlant de prof et prof aussi, je sais que ça n'a rien à voir avec le jeu, mais je voulais vous. Ah. Il est sur le quoi? Bon bah tant mieux. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé du jeu parce que de toute façon tout a été dit par rapport à ça et puis là je suis vraiment c'est. Là on est le 13 juillet. Je vais pas revenir sur le coup de gueule terrible que j'ai passé pas hier dans l'épisode 85 de Breath of the Wild. Je sais que ça peut appeler certaines personnes, j'en ai strictement rien à foutre. Si ça vous plaît de défendre quelqu'un qui se fout ouvertement de votre gueule et qui crache sur une équipe du PSG, ça vous regarde. Moi je dis que ce mec c'est une escroquerie. J'ai parlé de Kylian Mbappé, voilà. Parce qu'il y a encore des gens qui le soutiennent, alors que bon, hein, quand même. Enfin, d'ailleurs, je voulais savoir ce que t'en pensais un petit peu. Vas-y, n'hésite pas. Bah, effectivement, il est un peu trop arrogant, et puis là, ça. Retour de bâton, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé du match France-Espagne? Oh là. Bah, c'est vrai qu'on était bien parti avec le premier but, mais après, toujours pareil, on fait des tirs pas cadrés, alors qu'on avait plein d'occasions, donc c'est un peu rageant. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la noisette boudeuse, là, comment le vengeur masqué, là, le sauveur de la France, le protégé de Dédé, qu'est-ce que tu en penses? La noisette boudeuse. Bah, si, il avait fait la passe décisive pour le but, mais après, il était inexistant. Ouais. Parce que on m'a reproché d'être un footix, c'est parce que je crache sur quelqu'un qui a tant fait pour la Coupe du Monde. Alors, moi. Ah oui, donc là, il y a une petite coupure parce que j'ai vraiment préféré aller au vif du sujet. Là, je suis un peu plus calme, mais toujours autant énervé. Je suis désolé, mais comment ça se fait que Giroud, qui est l'un des meilleurs buteurs de l'équipe de France, soit remplaçant? Griezmann, comment ça se fait qu'il soit remplaçant? Barcola, t'as vu ce qu'il a fait Barcola par rapport à qui... dommage, j'aurais dû. Voilà. Moi, je suis pas partisan du fait que Dédé doit partir, mais par contre, qu'il a Mbappé, il n'a pas son rôle de capitaine. Moi, pour moi, c'est non. Je suis désolé, non. Ou alors, c'est Griezmann, et encore, il se pose des questions. On sait même pas s'il va rester. N'Golo Kanté, qui va aussi quitter l'équipe de France. Ça, je trouve ça franchement, je trouve ça triste. Kingsley Coman aussi va peut-être partir. Il y a beaucoup de gens qui vont partir parce que beaucoup de joueurs critiquent le coaching de Didier Deschamps. Donc. Voilà, très sincèrement, nous, on s'est emmerdé quasiment tous les matchs d'équipe de France qu'on a regardé. Nous, demain, on va regarder Espagne-Angleterre. Et on espère que l'Espagne va gagner. Et rappelle-toi, je t'avais dit, il y avait un joueur, franchement, que je redoutais. Deux, c'était... Lamine Yamal. Deux joueurs, William Junior et Lamine Yamal. T'as vu la praline qu'il a mis à Mike Maignan? Non, mais ça... Il a que 16 ans. 16 ans, le gamin, 16 ans. Il a donné une leçon d'humilité à, comme il s'appelle, Rabiot et l'autre là, ouais. Non, mais à Rabiot parce que en gros il expliquait que le jeu de Lamine Yamal n'était pas assez bon, qu'il fallait qu'il joue plus comme ça. Attends, t'avais la famille qui lui a mis. En plus c'était Rabiot qui était au marquage sur Lamine Yamal. Donc en gros c'était pour dire voilà, tais-toi maintenant, tu pourras parler après. Enfin bref. Tout ça pour dire que cet euro en un mot, si tu pouvais faire une. Il y a des bonnes équipes et des moins bonnes, on était dans les moins bonnes. Voilà. Mais c'est pas ça moi qui m'inquiète le plus, c'est les Jeux Olympiques qui vont venir très bientôt ici. Ça aussi ça me fait très peur. Parce que je pense qu'on va passer pour des cons, mais à échelle mondiale. Avec la formidable chorégraphie que nous prépare les JO. Toutes ces stars qui vont venir chanter. Aya Nakamura, bon je ferai aucun commentaire. Sinon j'aurai la convention de Genève sur le dos. Mais je pense qu'on va se marrer, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je pense qu'on va passer pour des cons. Enfin voilà. Non, et puis bah sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah c'est tout.
Donc à la rentrée. Ouais, alors tu te demandes ce que c'est là, on est dans le château de la reine Andy. Et qui est contrôlé et manipulé par. Ah, j'ai fait une petite coupure. Qui est contrôlé par Nairou, possédé par Vehrehan. Et ce château a été construit parce que la reine Andy avait un fiancé qui avait disparu et elle attendait. Elle guettait au sommet de son château l'arrivée de son fiancé disparu. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. C'est pour ça qu'il a été construit. Et là, je suis en route pour voir l'arbre Mojo qui va me donner des directives. Ça va être un petit peu bah, comme l'arbre Mojo dans Ocarina of Time, dans Breath of the Wild qui va me donner les directives. Il y a j'arrête pas de tomber, mais c'est super chaud avec le joystick. Il y a en tout 8 essences du temps à récupérer parce que vous allez comprendre bien voir très bientôt que notre cher ami l'arbre Bojo va perdre la mémoire à cause du cours du temps. Je tombe encore une fois à cause du cours du temps qui a été corrompu par Nairou, possédé par Vehrehan. Vehrehan, sorcier des ombres, qui n'avait besoin de prendre, qui a pris possession. Nairou, c'est l'oracle du temps, la jeune chanteuse qu'on a vue au début. Et vous allez voir que ce jeu, si vous n'avez pas suivi ce let's play, vous allez voir que ce jeu est très basé sur les cinématiques. Il y en a vraiment de très très belles. Et j'ai fait la collecte des anneaux, donc normalement j'ai récupéré tous les anneaux que j'avais dans Oracle of Seasons et Ages. Et je vous rappelle quand même que Seasons, on l'a commencé le 3 juillet, donc ça fait un an déjà qu'on fait le let's play, donc c'est quand même pas mal. C'est depuis 2023, là je suis parti sur une dynamique de record quand même. Hop, voilà, battu d'un coup. Donc là, c'est le bourgeon de l'arbre Bojo. Et en fait, dans le présent, elle avait disparu parce qu'elle avait été attaquée par des moblins. On a remonté le temps pour tenter de la sauver. Et quand on va revenir dans le présent, on va retrouver l'arbre Bojo 400 ans plus tard, parce qu'il y a un intervalle de 400 ans. Elle aura perdu toute la mémoire. Et elle, oui, c'est une femelle. Et à l'aide des essences du temps, eh bien, elle va retrouver peu à peu la mémoire. Tout simplement. Donc là, on est dans le présent. Là, je te laisse bien. Oui, c'est pas elle qui est amoureuse de lui. Si, c'est ça, tout à fait, oui. Absolument. Ah oui, je voulais également dire que, évidemment, à la rentrée, on va reprendre si je peux, si j'arrive à bien le configurer avec la barre média. Moi, l'arc soft showbiz, c'est plus possible. Charcuter les épisodes, ce sera la... Ce sera la troisième et dernière saison que j'utiliserai mon arc soft showbiz. Voilà. Après, on va passer à la VR-Media, vous allez voir, ça va être beaucoup plus cool. Et je pourrai jouer en même temps, ça va être... Ce sera... comment dirais-je ? Croupule mou. Ah, putain. Authentique, voilà, authentique. Et si tu trouves, voilà. Donc en fait, il faut trouver les 8 essences pour vaincre Vehrehan. Et tout ceci fait partie d'un plan qui a été rudement mené par, maintenant je peux le dire, les sorcières Gerudo. En fait, les Kume et Kotake ont missionné Vehrehan et Onox pour que les flammes de la désolation et de la destruction s'allument, ainsi que du désespoir, et que les sorcières Gerudo offrent un sacrifice sur l'autel du château pour faire revivre Ganon. Voilà, tout simplement. Et moi, niveau histoire, je trouve ça excellent. Je sais pas ce que t'en dis. Oui, je t'ai dit ça parce que je sais que t'as beaucoup de mal avec les jeux pixelisés, mais c'est vraiment un très très grand jeu. Et on arrive déjà bientôt à la fin de cet épisode, les amis. Nous, on va se lancer sur une petite partie de Mario Party. Qu'est-ce que t'en dis ? Super Mario Party ? Ou Mario Party Superstar ? Mario Party Superstar, ça fait un bon temps qu'on n'y a pas joué. Alors, je renifle encore, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai encore une putain d'allergie. Bah, faut dire qu'avec les changements de saison, ça me réussit pas. Et c'est très très chiant. On va se laisser devant le sanctuaire, devant la tombe esprit. Ce sera, et la tombe esprit, ce sera essentiellement l'épisode 2.
Et l'épisode 3, ce sera un petit peu ce qui va nous mener à aller au donjon 2, voilà. Et je couperai vraiment les passages les plus chiants. Évidemment, dans Seasons, je vous montrerai ce que j'ai pas pu vous montrer, les modes liés. Ce sera comme des espèces de petits bonus, comme je l'ai fait pour Link's Awakening, il y a maintenant 2 ans. Et puis voilà. En ce qui concerne Tears of the Kingdom, je pense que ma compagne, ma chère étante, va me donner les directives pour les quêtes annexes, mais on va surtout continuer à choper les tenues. Là, j'ai une dernière partie de tenue à attraper, c'est le casque de Ganon Spectral. Après, c'est toi qui décidera ce qu'on fera comme quête principale. Ouais. T'as l'air vachement investi, hein, ça fait plaisir. Hein. Bon, non mais je comprends, on s'est levé un petit peu tôt, et puis en plus t'as dû aller faire une prise de sang, donc c'est un petit peu fatigué, je comprends. Nous on va aller faire du Chopin cet après-midi, qu'est-ce que t'en dis, hein? Encore? Ouais. Bah est-ce que c'est encore les soldes. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode 1 de Oracle of Ages version 2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Home Game, à me laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, à partager la vidéo, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire pour me donner une astuce, ou vous faire un petit coup, fait toujours plaisir, ou me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette formidable équipe de France, hein. Heureusement qu'on a mis une défense de fer. Voilà, ça c'était pour le petit pic. N'hésitez pas non plus à liker la page Facebook Home Game, à me suivre sur Instagram HomeGamer9, à vous abonner à mon compte TikTok, oui, JuHomeGamer, j'ai cédé face à l'ennemi, et à vous abonner à mes deux chaînes secondaires YouTube, Home Game et... Home Music et The Rise of the Elements. On se retrouve samedi prochain à 18h pour l'épisode 2 où on va faire l'intégralité du donjon. Voilà, je vais pas entrer tout de suite, ce sera le suspense. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bon 14 juillet à vous, et comme le dit Valérie...